Nettoyage ethnique, vol de terre, expulsion programmée de tout un peuple. Vous l'aurez bien compris, on parle de la Nakba. Ce terme fait référence aux conséquences de la guerre israélo-arabe de 1948, durant laquelle les forces d'occupation ont conquis par la violence plus de 78% de la Palestine historique et ont détruit environ 530 villages et villes et ont tué environ 15 000 Palestiniens dans une série d'atrocités à grande échelle, dont plus de 60 massacres documentés. La Nakba est toujours en cours pour les Palestiniens. Une réalité tangible sur le terrain, la Nakba actuelle, c'est aussi le blocus imposé. Les guerres, les meurtres, la ruine, la démolition de maisons, la confiscation de terres, le déracinement des arbres et la construction de murs d'apartheid. Sans parler du déplacement systématique des habitants de Jérusalem, en plus des prises d'assaut à la mosquée Al-Aqsa. À la fin du mois de janvier 2020, le président américain Donald Trump a lancé un plan prétendant vouloir résoudre le conflit israélo-palestinien sous la forme d'une proposition intitulée « Paix pour la prospérité ». Ce plan israélo-américain montre la détermination de priver les Palestiniens de leurs droits, ce qui pourrait créer plus de souffrances et de violations dans les territoires palestiniens occupés. En accordant à Israël la souveraineté complète sur Jérusalem et le feu vert pour annexer de grandes zones de la Cisjordanie et en imposant sa souveraineté sur les principaux colonies en violation des résolutions internationales qui considèrent la colonisation comme illégale. Mais il faut signaler que le fait de ne pas aborder la question de 5 millions de réfugiés palestiniens de manière responsable et équitable est un échec de la proposition et une évasion humanitaire tragique. Ce qui rend improbable les chances de parvenir à la paix dans le cadre de ce plan. Par conséquent, la Nakba n'est pas un souvenir, ni une simple journée commémorée, mais plutôt une réalité que les Palestiniens endurent toujours son amertume et sa cruauté jour après jour.